Alors du coup, en quoi consiste cette conférence? Alors en fait, on est ici donc à la permanence du Front National de Paris et tous les mercredis soirs, le Front National de la Jeunesse, le FNJ, se réunit en fait de manière hebdomadaire pour aborder différents sujets, des différentes thématiques, etc. Donc il y a une présentation qui est faite par un intervenant, suivie ensuite d'un échange de questions, de réponses, de commentaires avec les jeunes présents dans la salle et ensuite un petit pot de l'amitié. Donc là ce soir, on abordera la question de la démocratie incomplète. C'est des jeunes, des vieux, des moyens. Là, ici, ce sera que des jeunes, hein, approximativement entre 15 et 30 ans la plupart du temps. Du coup, des jeunes qui votent FN ou rien à voir. Alors, il y a tout. En fait, la majorité ici vote Front National ou ont l'intention de voter pour la première fois Front National. Il y a quand même une majorité de personnes qui sont présentes dans la salle qui sont des adhérents. Et il y a une petite minorité qui sont de simples sympathisants, un peu curieux. Et il y a parfois aussi, mais là, c'est très occasionnel, comme ce sont des réunions publiques, on a parfois aussi des adversaires qui viennent en fait pour se renseigner, de se dire, mon Dieu, je suis sûr qu'en réalité c'est des perruques, il n'y a que des crânes rasés là-bas, etc. Pas du tout, ils sont les bienvenus, ils peuvent venir débattre, apporter la contradiction, il n'y a aucun problème. Donc ça nous est arrivé quelquefois d'avoir des militants du MJS, de l'UNEF, de l'Union des étudiants juifs de France, etc., qui sont venus ici pour apporter la contradiction. C'était même beaucoup plus intéressant.